Yo les gars, vous allez bien? Bienvenue à tous les potes pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur Red Dead Redemption 2. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une vidéo un petit peu expérience. Je pense qu'on s'est tous déjà posé la question, qu'est-ce que ça ferait de voir le monde d'un point de vue de quelqu'un qui est petit? Mais là attention, il y a petit et petit frérot, il y a 1m20 les bras levés, il y a même encore plus petit, mais là... Là c'est face à des géants, tu vois, tout le monde fait 2m50 et toi t'as l'impression que voilà, quand il pleut t'es le dernier averti, tu vois, les autres sont au courant avant toi parce que le mec à côté de toi, mon pote, c'est le Great Khali, tu vois, donc lui quand il pleut, il a la tête mouillée avant tout le monde et toi en bas t'es le dernier mouillé, donc t'as le temps de rentrer à l'abri, tu vois, c'est le seul avantage, sinon y en a pas frérot. Enfin oui, peut-être ça dépend un petit peu ce que tu veux faire, comment on va dire. Alors... On va tester ça, vous avez vu un petit peu, là tout le monde est petit, hein. Là tout le monde est beau et mignon, tu vois, ce qui est grand est con, tu me diras, et malheureusement pour moi je suis grand. Donc on va voir un peu ce que ça va donner, et on va essayer de mettre tout le monde vraiment en mode, tu vois, les humains, les chevaux, les chiens, les chats, tout. Mais on veut que tout soit grand mon ami, sauf moi. Alors c'est parti, let's go. Ouais, même les chevaux qui arrivent là-bas en face ils me font peur gros. Ah ouais. C'est ultra kiffant en plus. Regarde-moi la taille des... Frérot, là, en direct... On dirait pas quand t'as... Je sais pas... Tu vois, quand t'es grand... Ou alors t'es plus grand que la moyenne et que tu veux à tout prix monter sur le jouet des petits. Voilà ce que ça donne. C'est exactement ça, mon pote. Mais c'est ouf, mais... On dirait trop, tu vois, quand j'avais genre 13 ans et que je voulais à tout prix monter dans le manège des petits. C'est exactement ça. Putain, j'en pleure sa mère tellement c'est con, mais c'est vrai, putain. Tout est... Ah, sauf lui. En fait, il n'y a que ceux qui sont dans mon environnement qui, du coup, grandissent, tu vois. Lui, il a la tête dans le plafond, là, le pauvre. Ça va être insoutenable, ça. On va aller voir un peu dans le bar comment que ça se passe, du coup. Comment que ce... Oh, les gars, même les chevaux, on dirait qu'il est... Oh, on dirait une femelle, une chienne qui pisse, là. Un peu de tenue, bon Dieu. Donc je sais, ouais d'accord, certains grandissent et d'autres... Attends mon gars, il y a tout de mélangé là, des grands, des petits... C'est beau frérot, c'est convivial. Le mec qui tient les... Le gamin qui vend les journaux, il est énorme. Putain. Oh, il y a des chevaux, regarde la taille qu'ils font, regarde le mec là-bas qui s'en va au loin avec son cheval. Oh la vache. Regarde là, même le chien, regarde le chien comment il est grand. Oh c'est stressant. Et imagine, ça veut dire que si du coup je leur cherche l'embrouille à ces géants là. Oh toi le grand là. Oh, oh non. Non John, c'est pas crédible là au niveau de la bagarre. Eh hey, même le flic il va être énorme du coup. Oh la vache. Ah mais j'ai pas envie de te provoquer mais je vais le faire quand même. Regarde, t'as vu le râteau qui tire dans sa main. On dirait un... Tu vois je sais pas, c'est un petit bout de bois. Tu vois un petit truc. Eh, fais pas le malin avec moi, gros, c'est pas parce que t'es grand, moi je vais te casser en deux, les grands, les plis en deux, frérot. Tu vas te taper la poutre, là, tu vas te taper la poutre. Baisse-toi, bon Dieu. Putain, c'est énorme. Je kiffe voir ce point. Attends, même les poules, ça marche. Mais les flics, laissez-moi tranquille. Oh, même les poules. Ça marche sur tout, frère. Oh, regarde-moi les poules, comment elles sont énormes. Oh, même les moutons. Mais putain. Oh, la vache. C'est beaucoup de kebab là, mine de rien. C'est quand même un peu violent comme vue, mine de rien, tu vois. What the fuck, gros. C'est ouf. Eh, ça me donne une idée là. Je vous réserve un truc, les potes, si ça marche en vidéo. Mais ça va être tellement satisfaisant, les gars. Oh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mon pote. J'ai tellement hâte. Oh, les chevaux, comment ils sont balèzes. Tu vois, on dirait dans un monde où tout le monde est atteint de gigantisme, je sais plus comment ça s'appelle là. Ça a un nom bien précis, tu vois. Ou genre, tu vois, chaque animal, c'est toujours le, tu vois, le plus grand de sa catégorie, tu vois, c'est le cheval le plus grand de la race des, je sais pas moi, des purs sang arabes, des ce que tu veux, tu vois. Il y a toujours un truc comme ça où certains animaux sont atteints de gigantisme, je crois que ça s'appelle comme ça. Oh les gros kebabs là, wow wow wow. Ça fait de la brochette à kebab hein frérot ça. Ça en fait de ouf même. J'ai envie de voir un peu au niveau du camp, je vais aller au camp. Ah j'ai plus de camp, putain je suis pas à la bonne save. Merde. Oh, comme c'est stylé, mon gars. On se dirait sur GTA V, frère. Mais non, c'est stylé de ouf. Ce mode menu, il est incroyable. Bon, les petits, là, les grands, plutôt. Les grands cons. Oh là 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 là. Eh, ça veut dire, imagine, attends, dans les cellules, ils doivent être entassés. Mais non. Oh. Dans la cellule. Regarde le pauvre. Mais c'est vrai que les détenus de prison, ils sont pas respectés. Regarde-moi ça, frère. Le mec, il fait 6 mètres de haut, ils l'ont mis dans un truc d'enfant, mon gars.
L'autre il est 6 fois plus grand que le bureau, c'est abusé. Mais ça a aucun sens, putain, ça a aucun sens, gros. Oh là là, regarde, y a un géant qui passe le balai dans la rue de la ville là. Oh la vache! Ça, on dirait comme quand tu vas dans un endroit et qu'il y a. Oh, son balai, Gan, son balai, il va qu'à la première à sa main gauche, il va même pas à sa main droite tellement le mec il est énorme. Regarde la taille du mec! Comparé à des. Mais ce mode il est incroyable, je le kiffe, gros. C'est tellement con, mais le fait de voir tout le monde en grand, c'est tellement incroyable. Oh la vache, donne-moi ton cheval, toi, pour voir ce que ça donne. Oh! Il faut un escabeau pour monter là-dessus, là. Allez, U! U, cannabis! Oh! Mais le cheval, la taille du truc, gros. Il est énorme! Regarde l'autre dans sa charrette, là. Pareil. C'est pour enfants, celle-là, c'est pas pour toi. Faut jouer un peu avec des animaux, tu vois. Et le cheval, tu vois pas comment il est énorme. Imagine un ours ou un truc comme ça, mon pote. Là, voilà. Oh, les... oh regarde les jambes de... regarde les jambes! Les jambes étaient encore restées. Il fait grand écart. Oh, la vache. Regarde les jambes! Oh, la vache, ce jeu, il est tellement improbable. Mais il est beau, ce jeu. Mais c'est tellement beau, putain. Mais t'as pas l'air con comme ça, mais mets-toi correctement, putain, John. Abuse pas, attends. Il capte encore que le truc il fait 12 mètres de large. C'est bon, voilà, il est à ma taille maintenant. C'est un mec qui marche avec son cheval. Ah ouais, regarde même la bestiole qu'il a tuée là. Oh, les alligators, ça va être flippant. Oh, c'est quoi ça? C'est un C. Oh, la taille du cerf! Oui, oui, oui. On a à manger pour combien de jours là-dessus? Putain, ah, même les dindons, ils sont énormes! Ça a pas marché pour le croco là? Petit croco. Ah oui, attends, je crois que ça a marché. Hein. Ah oui, ça a marché. Ah oui. Oh, la bête. Wow. Ça fait beaucoup de bottes là. Eh oh, je mets un coup de soulier moi, espèce de. Oh la taille du truc. C'est improbable. Comment ils sont énormes les animaux. Les petits potes, c'est tout pour cette vidéo. C'était un avant-goût parce qu'il m'est venu une idée. J'ai envie de tester plusieurs choses avec ce mode. Déjà, il y a un truc que j'ai voulu faire, que je n'ai pas pu faire. Je pense que ce mode va très certainement le permettre. Donc du coup les amis, ce que je vous propose, c'est de se retrouver pour un épisode suivant. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire et on fera quelque chose de bien précis avec justement le mode géant. Vous inquiétez pas, ça va être tellement satisfaisant. J'avais envie de le faire depuis très très longtemps. J'avais essayé vraiment mais toutes les possibilités possibles anciennement avec l'ancien mode menu que j'utilisais. Avec celui-ci, franchement mon ami, on va pouvoir se faire plaisir. Donc vos avis en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Oh attends, il y a une tortue, elle va être énorme. Et à mettre justement un petit like, tout ça, et à me dire un peu les choses que vous aimeriez que je puisse tester avec ce... Oh, la tortue, pour le cul, comment elle est énorme. À me dire justement les choses que je pourrais pourquoi pas tester avec vous en vidéo et tout ça, mais il y a un truc que je vais faire, c'est obligatoirement obligatoire. C'était Vince, vos avis les petits potes en commentaire, j'espère que ça vous aura plu ce petit délire là. C'est tellement stylé, moi je trouve ça... Oh c'est quoi les oiseaux là? Ah c'est les machins, les aigrettes, la blanche, elles sont énormes. Vos avis en commentaire, c'était Vince, merci à vous tous pour le soutien, les sangliers là-bas, mais c'est incroyable. Prenez soin de vous, c'était Vince, allez, peace les gens. It looks like you lost another one.